Bon Dieu béni nous. Nous disons bon Dieu merci qui permettent que nous présents avec vous à Soya pour nous capables adorer les seigneurs et étendre messages et paroles li. Et c'est très important ça que ce fait là. Et si elle l'a content, monde qui t'est péché et pour y faire la volonté de Dieu. Avant de faire lecture, parole bon Dieu. Et à Soya, moi, t'as aimé faut-il parler à tout chrétien qui est dans la salle là et à tout monde qui a attendu sur les multimédias, qui a attendu sur fréquence radio à 93.1, salut aussi. Moi, t'as aimé faut-il parler à nous sur ça avant que me prêcher. Qui salue? Moi, remarqué dans la vie aujourd'hui, même chrétien qui me reconnaît, qui tête partie, même voulait mourir. Parce que l'équipe a perdu. Moun couché sous vente. Mes amis, je me dis un petit bagaille. Pas de problème. Au chrétien, ou a toujours une bon équipe, ou a soutenir, ou a applaudir. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas péché tout. Mais lorsque chrétien, veillez pour ne pas faire un bagaille, tête partie, passionné. Comment Jésus a pour un monde qui va même connaître, a joué. Li perdu a petit coupé moi moun ki vle goumé gen chrétien blié sur chrétien a di vie mot moun ke me connaît a di petit moralité yo pou yon moun ki pa même konnen. C'est vrai même gade lèm chita devant télévision gade football mais moi même yo perdu manger yo pa perdu ça me regle moi son perdu on gagne lié c'est yon ki pou rive kon a petit coupé bon font ti histoire pour vous. Parce que moi, haïtien, mal comprendre ça. Je vais vous dire histoire pour vous. Il y a haïtien mal comprendre ça. Pour même, les messieurs qui jouent au football là, pour même, c'est petit couple là, seulement coup pour vous. Je vais vous dire histoire pour vous et vous allez vous dire ça. Je vais vous dire histoire pour vous. En 1986, Argentine champion, vous bail 2,8 millions de dollars. En 1990, Allemagne champion, yo bay 3,5 millions de dollars. En 1994, Brésil champion, yo bay 4 millions. Yo comment la monter? En 1998, la France champion, yo bay 6 millions de dollars. En 2002, Brésil champion, yo bay 8 millions de dollars. En 2006, regardons la différence. En 2002, Brésil champion, il bat 8 millions. En 2006, Italie champion, il bat 20 millions de dollars. En 2010, Espagne champion, il bat 30 millions de dollars. En 2014, Allemagne champion, il bat 35 millions de dollars. En 2018, la France champion, il bat 38 millions de dollars. Ou en 2002, combien de copies pour la Coupe du Monde? 440 millions de dollars. Là. Ou même capturer terre tout. Je suis mou quand on a main comme ça. Ou à coucher souvent de relais. Moi, je suis allé faire mes business. Je suis allé relais en moué. Puis je suis allé dégoûter. Je suis allé soin. Je suis allé relais en moué. Si vous pas font travail dans la mentalité, nous, pays, ça pas sauter dans la pauvreté. Malgré fermé ti affaire pour aller vendre pépé yo, il y a relé en moi, relé. Mais bien aimé l'équipe ça fait gros ça me sur moto, si me pas ta courir petit me fait mal. Quand dame qui pété portail, il bam, il sorti. Il par contre si machine a vini ici en rien, il pas connaît. Match pas qu'on finit non pété portail. Écoutez bien. Ou ka toujours fanatique comme chrétien. Mais pas faire tant que le monde a fait, le monde tête chaud émotion. Gen moun ki perd di vieux dans bagaille ça. Bon moun to bagaille. Ouais 2002 là, gen 440 millions. Bon moun ti détail. Ouais équipe qui champion, y a bal 42 millions de dollars. Équipe qui champion en 2022. Sa deuxième là, y a bal 30 millions de dollars. Ou participer non participation ou participer seulement pour participer seulement dans Coupe du monde là, y a bon 1,5 millions. Participer seulement. Bagay sou gen ou di participer seulement.
Sous éliminer dans premier tour, il y a bon 9 millions dans premier tour. Sous éliminer dans 8e de finale, il y a bon 13 millions. Élimine ou élimine bon compris? Ou éliminer bon l'argent, participer. A dit pas bon équipe ou là qui pas gagner l'argent. A dit si Haïti arrive à participer dans la Coupe du monde, il t'a pas pour nous en ville. Si elle participe, elle a gagné un point. 5 millions. OK? M'te vle faire cette histoire ça pour vous. Avant de prêcher, pour prendre sang, pour ne pas quitter les gens à faire péter courir, ou gagner temps, ou gagner des choses. Ou pas gagner temps, à régler la faute. Ok, pas de faire. En allez, Matthieu 3, verset 4 à 10. Matthieu chapitre 3, verset 4 à 10. Matthieu chapitre 3, 4 à 10. Nous allons ce soir. Matthieu 3, 4 à 10. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, très important, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas à dire en vous-même, vous avez Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pièces-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Le verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Parole du Seigneur. La repentance ou bien tout n'est vient joindre bon Dieu. Encore la fait continuité actem ça. D'après la parole de Dieu, gagner deux races dans le monde. Deux races dans le monde. La race de vipères et la race des élus. Deux races dans le monde. La race de vipère, vipère ici, c'est un serpent, eh bien, qui c'est, ils ont utilisé race de vipère là, qui c'est, ils ont image, ils ont utilisé pour Satan. La race de vipère, a dit, dans le monde ça, il y a moun, c'est race Satan, et il y a la race des élus qui sont dans mon Dieu. D'après le verset 7, deuxièmement, c'est la race des élus. Moun qui sauvé. 1 Pierre 2, le verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Deux races dans le monde. Race de vipères et la race des élus. Si il y a deux races dans le monde, et mais c'est lui-même aussi, il y a deux familles dans le monde. Deux familles, ou bien deux familles dans le monde. La famille de Dieu, qui c'est la race des élus, et la famille et celle du diable, qui c'est la race de vipères. Deux familles, votre attention. S'il existe deux familles dans ce monde, dès que vous parlez de famille, ou est petite, et mais si il y a deux familles dans le monde, et mais chaque famille ça y a un petit yo. Et ça fait Jésus qui dit dans Jean 8, 4 là, 44 là, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et mais chaque famille ça y a un petit yo. En conclusion, nous capable dire yo chaque yo gagné catégorie d'enfants yo.
qu'il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. On nous garde avec 1 Jean 3, le verset 9 et 10. 1 Jean 3, 9 et 10. On garde ça avec, s'il vous plaît. Sous la terre, il y a petit Satan, il y a petit bon Dieu. 1 Jean 3, 9, 10. Je lis pour vous. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Raison, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître qui ça? Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. N'importe qui ne peut pratiquer la justice n'est pas de Dieu. Faut attention. On regarde verset 9 là. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il va dire ne pêche point. Ne pratique pas. Il y a quelqu'un qui naît de Dieu, naît de nouveau, pas qu'à pratiquer péché. Votre attention. Personne ne peut appartenir simultanément aux deux familles sur le plan spirituel. Bon, moi, ça, hein? Personne ne peut appartenir simultanément aux deux familles sur le plan spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment traduire en créole? Pas bon monde là. Sur le plan spirituel, qui canne deux familles en même temps. Parce que il y a petit Satan, il y a petit bon Dieu. Ou pas qu'à petit bon Dieu, pendant petit Satan en même temps. Soit c'est petit bon Dieu, soit c'est petit Satan. Yon sous pas qu'à bail de l'eau. Soit le bail de l'eau propre, soit le bail de l'eau sale. Soit ou appartient à la famille de Dieu pour manifester un caractère qui juste, soit ou appartient à la famille de Satan ou manifester un caractère méchant. Je reprends. Personne moun pa ka appartenir en même temps simultanément aux deux familles sur le plan spirituel. Même jour ou est sur le plan physique ou sorti ou gen bon maman ou gen bon papa, sur le plan spirituel pas ça. Soit pour diable, soit pour bon Dieu. Ou pas qu'on en débranche sur le plan spirituel. Soit ou appartient à la famille de Dieu, ou manifeste ton caractère moun sauvé. Parce que depuis notre famille, mon Dieu, ou manifeste ton caractère qui juste. Depuis notre famille, Satan, ou manifeste ton caractère méchant. Et pas dans rien qu'à serrer dans ça. Votre attention. Le verset 9 dit comme ça: quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu, né, nouvelle naissance. Pour avoir naissance, il faut une semence. Bon, mais moi ça, hein? Pour avoir naissance, il faut une semence. Pour gagner naissance, quitte sur le plan spirituel, quitte sur le plan physique, il faut une semence. Et pas vrai? Elle dit, il faut un garçon, quitte la grosse semence dans le ventre, même si moi je ne j'en dis pas. Nous pas fait travail ça à l'église. Surtout maman yo parents yo, nous pas voulu faire éducation timoun yo, éducation sexuelle yo. Des bon timoun qui ont 12 ans, 13 ans, faut faire éducation sexuelle. Sou pas fait, il a fait le bou. Et zanmi a fait lui et quand ses amis fait, on perd lui. Timoun nan mande maman comment m'te fait? Ah non non, j'ai m'te sorti. Pourquoi soit dit ça? On dit non, j'ai sorti vrai, on bal menti. Maman comment m'te fait? Ah petit moi, c'est comme ça, ou sort nan j'aime ploup. Ploup. Ou pas qu'à bâtir mon amanti. Les petits, les dit, mais papa, le même maman. L'après les papa, l'après les maman. Et vous dire non, yo. C'est moi même à papa qui faut. Ok? C'est moi même à papa qui faut. Entendez? L'elle commence à gagner bon l'esprit. 13, 12, 13 ans. 11, 12, 13 ans. Faut dire ça va galay. Apprendre si mon col. C'est maman et papa qui fait éducation sexuelle, si mon. Fait le concol et dit ça. Pour gagner naissance, faut gagner semence. Quitte sur le plan spirituel, quitte sur le plan physique. Garde sa verset a dit.
quiconque est né de Dieu ne pratique ça pas le péché raison. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est semence qui fait naître de nouveau. Pour naître sur le plan spirituel, il faut qu'on semence. Est-ce que l'église a compris? Parce que la semence de Dieu demeure. Même Jean Rochita la prophète, son semence pas portée par maman pour tes fêtes. Son spermatozoïde qui permettent ou faire qui sont semences. C'est même Jean tout pour yon moun né de nouveau, pour yon moun sauver, pour yon moun ou l'autre moun, faut qu'on semence ou te recevoir. N'importe moun qui l'a sauvé, li pas qu'à sauver sans semence ça. Et nous pas qu'à qui semence lié. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, né. La nouvelle naissance, né de Dieu et pas né de l'homme, ne pratique pas le péché raison parce que la semence de Dieu demeure en lui. Pour une nouvelle naissance, il faut une semence. On a regardé qui semence lié. On va le bon semence là. Qui fait moun sauver, qui fait frère l'image te sauver ya. Qui fait pasteur te sauver ya. Qui fait chaque moun qui te sauver ça, c'est semence ça qui te font sauver. 1 Pierre 1, verset 23 à 25. On regarde semence là. Hein? 1 Pierre 1, verset 23 à 25. Mais semence là, c'est très important. Hein? Mais semence qui fait nous naître de nouveau là. Qui fait que sous des semences alors qu'il est le nom ou pas pratiquer péché. N'importe monde qui a pratiqué péché, c'est problème semence ça le gain, mais ça le dit. Puisque vous avez été qui ça régénéré non pas par une semence corruptible, mais par une semence qui ça incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Qui ça semence là? La parole vivante et permanente de Dieu. Bon, moi on va faire ça hein. Le verset 23, 1 Pierre 1, 23, 25. Puisque vous avez été régénéré, au monde qui naît de nouveau, au monde qui est régénéré, la nouvelle naissance, nous régénérer non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 24, car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Le verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Semence ou recevoir pour sauver, c'est la parole. Pour naître de nouveau, faut recevoir semence, ça faut tendre parole là. Dans Romains 10, verset 14 à 17. Nous allons en l'île. Nous allons prendre notre abonne. Romains 10, 14 à 17, on va lire la caillou. Il dit comme ça, comment me faire invoquer un monde si me pas croire dans lui. Il dit comment me faire croire dans lui si me pas tendre parler de lui. Il dit comment me faire tendre parler de lui si pas gain monde qui a pas annoncer. Comment faire gain monde qui a pas annoncer si pas gain monde yo voyer pour ça. Et puis dans verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi qui vous faut sauver, il faut que vous parlez autant ou tendez semence. La parole là, c'est semence. L'autant de semence qui c'est une semence incorruptible, parce que ces paroles là, le Saint-Esprit de Dieu, il utilise ces paroles là, il amplifie ces paroles là, il fait parole là convaincre pour capable tomber sous conviction péché. Vous pouvez ça? Vous pouvez quand on vous attend un message, sans pas bal coup, sans pas bal calotte, et puis vous dans la rime dans le danger. Parole la vie qui a frappé comme ça, semence. Hein? Tombe sur réel, bal Jésus, la crié en sanglots. Pas de monde qui bal coup, c'est mon prédicateur, a parlé, et puis Saint-Esprit utilise ces paroles là comme épée, et puis il frappe. Et puis depuis de recevoir semence ça, tout ça t'a fait, la quitté. Et ça veut dire quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Raison, parce que la semence de Dieu demeure en lui. N'importe monde qui quitte seulement ça travers la vie, il n'est pas capable de pratiquer le péché. Suivez-moi dans l'église. Depuis le monde est monde, sur le plan spirituel, la terre est divisée en deux groupes de personnes. Depuis le monde est monde, la terre est divisée en deux groupes de personnes. Toujours il y a deux groupes de monde. Un, il y a toujours des gens qui passent dans la porte étroite. Il y a des gens qui passent dans la porte large. Ou pas qu'à faire avec ça. Et je ne comprends pas ça. Jésus dit comme ça. Les gens qui passent dans la porte large, ils ont plus que les gens qui passent dans la porte étroite. Ça veut dire, par contre, ça va galer. Il semblerait qu'il y ait plus de gens qui prennent route l'enfer que route ciel.
dit les gens qui passent dans la porte étroite, qui baille la vie, pas grand pile monde qui passe dans le chemin, ça, chemin resserré. Mais il dit porte l'âge là, route l'âge là, en pile monde. Nous pas ça vrai? Nous pas les gens madigra ou naïve. Nous pas ça? Les gens rara, les gens madigra. Une quantité de monde, les gens carnaval. Il y a bagaille pour eux. Les gens carnaval. Nous une quantité de monde vrai qui prend route ça. Chemin ça. Parce que chemin resserré a en pile monde pas prendre trop discipline, trop l'ordre, l'homme remet liberté de nature. C'est bien pour eux. Ouais pour eux. Même l'église, gen moun, depuis que l'église gen discipline, li pa remèl. Li gen mon côté, y a bay toute liberté le besoin. Ba mouton ma kaybon ouè, ou pa wè gen ti moun, sou di choisi l'école. Ti moun ki gen bon kompren nan, la choisi l'école sérieux. Si l'ou di choisi, la choisi l'école ki gen programme. La choisi l'école ki gen programme, kap bal programme tout journée. On l'école bidjonel. Mais depuis que l'école gen discipline, la difficile pour un pile jeune remet les choses. Parce que l'homme de nature remet liberté. Suivez-moi là. Depuis que Lazare a bien homme riche, la terre divisée en deux groupes de personnes. Depuis que Lazare a bien homme riche, depuis que Abel a bien carré, depuis que sage a bien folle. Depuis qu'il y a blé, il y a livré. La tête divise en deux. Depuis qu'il y a Jacob, il y a Esaou. Depuis qu'il y a vente bataille. La chèque déclare l'esprit la guerre. Depuis qu'il y a vente. Suivez vous. Christ mourit. Dans le temps des brigands, il y a perdu, il y a sauvé. Pas de rance. Merci beaucoup. Jésus mourit dans le temps des brigands. Yon perdu, yon sauvé. Pendant Jésus sous croix, il dit tout est accompli. Pendant moun yo dehors, yo tendon brique faite dans temple, voile temple saute en l'air, il chiré. On va faire ici, on va faire ici. Même j'en voile temple divisé en deux, c'est comme ça l'humanité divisée. A bien juste, a bien méchant, on va. A bien fils de Dieu. A bien fils du diable, a bien sauvé, a bien condamné. Pas dans rien qu'à faire ça. Bon, je vais vous dire là. Ouvrez les oreilles, nous allons dire. L'impossible pour l'église de Dieu, pour ne pas voir les gens là-dedans. Je vais vous dire là. Depuis qu'on compte les gens qui sauvent seulement, Satan voit les gens là. Ou pas, ouais? On met un jardin. Met jardin avec jardin. Il y a un serviteur qui travaille avec lui. Il est venu dans le matin, il prend sel blé, il plante dans le jardin. Blé seulement, il plante. Il est allé. La nuit passée, le matin, il vient dans le jardin. Là, il paraît. Livré! Serviteur a dit, maître, c'est sel blé que nous avons planté. Quand livrer ça, on sortit. Bon, marché. Maître a dit, attention, son ennemi qui fait ça. Son ennemi qui tente, l'en aller. Il vient semer, livrer dans le tablé. Paraché yo, qui te grandit ensemble. Moi même mettre jardin, les murs m'a vinn séparer blé yo ak livré yo. Ou pas ça Jésus dit, c'est pas tout monde qui dit Seigneur, Seigneur qui va entrer dans le royaume ciel là. Jésus tout dou en dans l'église gen ma coquelin. En dans l'église a bien livré. Gardez bien. La terre divise en deux. Gardez bien pour vous. Il y a deux fêtes depuis l'Ancien Testament. Il y a la Pâque, il y a la Pentecôte. Pâque là, les affaires. Puis il y a le vin, puis il y a le pain, puis il y a le vin en dedans même. Faut fouiller tout en dedans, puis il y a le vin. Pentecôte la fête 50 jours après la Pâque. Pentecôte là. Dans Pâque là, puis il y a le vin. Et pourtant, même bon Dieu dit qu'il y a un levain dans le Pâques là, même bon Dieu ça dit, les a fait pas une côte là, il faut faire deux pains avec le vin. Vous ne comprenez pas? Bon Dieu dit les a fait des Pâques là, puis il y a un levain, qui c'est image Jésus-Christ qui va le mourir, qui s'empêche. La Pâque pour l'accomplir à Jésus-Christ, qui s'empêche. Pas une côte là, qui c'est image l'église qui va l'inaugurer sur la terre. Et pourtant, dans le Pâques là, il faut avoir deux pains qui ont le vin. Ça m'a dit là, c'est dans Lévitique 23, verset 11 à 16.
Lévitique 23, 11 à 16. Nous ne pouvons pas l'île. Faut gagner deux pays qui gagnent le vin. Pour qui ça faut gagner deux pays qui gagnent le vin? Jésus, tout a montré depuis dans l'Ancien Testament, ou pas qu'à faire un rien avec ça. En dans l'église, a bien péchado. Le vin, c'est symbole péché. Le mal. Ok? Son seul côté dans la Bible là, le vin, pas veut dire le mal. C'est dans Matthieu 13, verset 33. Le vin là qui c'est propagation de l'évangile. L'évangile là qui a contaminé le monde. La bonne nouvelle du, de l'évangile. Dans l'Ancien Testament, le vin, symbole péché. Dans le Nouveau Testament, pas seulement péché, le mal, mais le symbole tout, fausse doctrine. Le vin. Après Jésus-Christ a dit, il dit, gardez le vin. Gardez-vous du levain des pharisiens. Mais si vous pensez, c'est à faire pain. Et puis, verset a dit, Jésus a parlé des fausses doctrines pharisiens à bail. Dans le Nouveau Testament, le vin, lui symbole le mal, le péché, et fausse doctrine, faux enseignement aussi. Ce mot-là, a toujours des gens dans la sanctification, a toujours des gens qui dans le péché. Depuis le ciel, pour qui ça a le ciel qui est l'enfer? Hein? Le ciel, a le ciel, a le l'enfer. Ciel, pour les gens sanctifier, l'enfer pour les gens, pour les pécheurs. C'est parce que Dieu connaît a bien pécheur, a bien monde qui perdu. Depuis le ciel, a bien l'enfer. Depuis la lumière, a bien ça. A bien ténèbres. Depuis que monde qui sous l'esprit, a bien monde qui ça sous la chair. Que Jésus-Christ a bon Barnabas quand même. On Barnabas qui sortit pour faire compétition en face Jésus. Notez bien l'église. A toujours une bataille. A toujours une opposition. A toujours une goumé entre la chair et l'esprit. D'après Galates 5, 17. A toujours une bataille entre méchant et juste. Méchant, pas jamais le ouais juste. Pour qui ça? Parce que méchant, yo. Pour qui ça méchant, pas jamais le ouais juste. Yo. Parce que juste là, il y a Saint-Esprit, mon Dieu, dans la ville. Méchant, il y a démon dans la ville. Démon avec Saint-Esprit, pas jamais entendu. Méchant, il y a démon. Juste là, il y a Saint-Esprit. Démon avec Saint-Esprit, pas jamais entendu. Depuis l'Esprit de Dieu à l'œuvre au côté, il y a démon avec la guerre. Bon, moi, ça. Depuis Saint-Esprit à l'œuvre au côté, il y a mauvais esprit avec la guerre. Parce que démon avec l'esprit pas jamais entendre. C'est peut-être ça méchant, pas jamais le juste. Parce que méchant possédé avec démon, juste la guerre Saint-Esprit. Ou pas besoin de faire mon nom pour le parler. Ça me fait un tel. Depuis c'est méchant lié, c'est juste ouillé. Ou pas besoin de faire rien pour le parler mal, pour le parler wow. Parce qu'elle a un démon. C'est démon qui n'est lié à parler wow. Comme si ça me fait un tel, mes amis. Et tel avec qui te demande repos. Ou pas besoin de faire un tel. Et pas juste ouillé. C'est pas juste ouillé. Qui ça Jésus te fait un tel? Ou pas être méchant tellement par le dossier ou monsieur de Jésus. Ou pas ça vous dit? Il dit, depuis dans le temps blanc, l'abdi pour ne pas payer taxes à César. Il dit, je me dis ça vrai? Méchant depuis le parent, il ne parle pas de l'abdou, 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 a toujours de la guerre entre juste et méchant. Voilà, attention. Il y a des gens qui ont dit méchant là. Vous avez dit, Boko, Mambo, Champrel, Lugaou, prostitué, moun qui dans la ria. Nous allons regarder pour nous. Et il y a des méchant pour lui. C'est Tilapli, c'est Iso, c'est l'homme sans jour, c'est Timakak. C'est vite l'homme, c'est Mounzao qui est méchant. Il est méchant. Mais, tenez bien, il a attribué titre ça. Il y a un monde criminel, il dit le méchant. Mais depuis que vous n'avez pas Jésus ou pas sauvé, la Bible a traité comme méchant. Titre ça, il y a tout le monde qui n'a pas sauvé. Méchant. Il y a tout le monde qui est criminel. Il y a des gens qui ont tué le monde. Il est le méchant. Mais depuis que vous n'avez pas sauvé, ou c'est méchant. Regardez bien, suivez-moi là. Lumière et ténèbres. Si vous avez qui arrive à faire ça, je vais vous en prime. De vous arriver à faire ça dans la vie, ou habiter, ou faire ténèbres et lumière cohabiter ensemble. Faites ça pour moi, s'il vous plaît, dans vous. Depuis le monde des mondes, si vous fait ça, depuis le monde des mondes,
pour faire lumière et ténèbres cohabiter. Vous avez cohabité en même temps, ensemble. Depuis lumière paraît au côté, ténèbres dispersées. Depuis lumière éteinte, ténèbres diminuées. Pour y faire surface, il faut y aller. Il n'y a pas de cohabiter ensemble du tout. Et je vais vous dire ou carrément monter et en pile avant converti. Jou converti, li déteste. Maman qui font. Li pas converti ou pas converti. Pas que mon li te remet comme ça. Petit chouchou, jou décide converti. Li raywa jamais. C'est pas lui même. C'est parce que c'est lumière, li c'est ténèbre. Ou ka moun ki ta pression, ou ka travon côté, patron te remet ou. Jou converti, li wè la vous changer, il commence à m'akon. Nan travail là. Pour être converti, ya. Sans pas faire rien, ou faire travail correct. Pas demander ça fait ou pas besoin de faire rien pour moun détester ou. Regardez bien. Là nous parler de méchants, c'est pas seulement moun qui dans le monde en dans l'église locale plein méchants. Vous comprenez? En dans les oh, l'église qui est Lougaou dans lui. Lougaou, Champouel. Moun dans son l'église hôpital avant Lougaou. Regardez bien. Suivez-moi là. Gen moun, même si la présence de Dieu, la gloire de Dieu, a touché tout le monde dans le service, sauf lui-même. Ben, moi, je prends ça. Gen moun, ouais, même si la présence de Dieu, la gloire de Dieu, a touché tout le monde dans le service là, sauf lui-même. Même si message, parole, bon Dieu, a transformé la vie en pile moun, l'église là. Mais lui-même, il était même Jean-Lié. Sans transformation, sans changement, sans repentance. Des gens, même si ils sont dans l'église, ce sont des méchants. Tant que Judas, qui a marché prêcher, mais quel pas bon. Tant que Géasi, même si elle a qu'Élisée, quel pas bon. Reda qu'Élisée. Géasi a marché à Élisée pour manger. Monsieur, nous deux temps on est fait en bas, mais on s'invite. Sous pas servir, on servit encore. En vérité. Pour bagage Géasi, ouais. Ou pas ouais? Élisée dit, elle dit, Naaman, plongez sept fois dans le Jourdain. Parce que lorsqu'il servit à bon Dieu, il faut une dignité. La difficile pour gérer le monde qui va une dignité. Et sous pas de gain, la baoule. La difficile pour gérer le monde pour l'aplomb, pour pas bonne dignité. D'ailleurs, on servit à bon Dieu de respecter tout le monde. Mais bagay figi moun achete. Depuis bon Dieu le moun la bon dignité, la bon caractère. Et puis Naaman vini. Élisée va même sorti, monsieur fermé dans chambre lui. Il dit al dit monsieur plonger sept fois dans journée. Sous l'verset là, Naaman vexé, monsieur commence à réciter, valet jour de m'gen la caille moins, m'gen tata et valet rivière, m'gen papa, m'gen ceci ou m'gen papa faire rien ou non. Monsieur dit al plonger dans journée, monsieur va même sorti. Ou comme monsieur c'est officiel, monsieur gen chef avec. Monsieur plonge une fois. Même si Naaman plonge 6 fois, 3, 4, il va guérir. L'homme de Dieu a dit 7 fois. Monsieur babier, monsieur plonger. Le monsieur plonge 7e fois, il va purifier. Le chiffre 6, c'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Il a pressé 7 fois. Il a dit tout ça, mon Dieu a fait, il n'y a pas de faveur. Ou pas bon assistant, nous avons participé. C'est bon Dieu qui a fait lui, mais on même faut participer. Il n'y a pas de faire. Ou pas assistant pour croiser main. Il y a des gens qui disent que bon Dieu fait la grand. Des bon Dieu dit la grand. Et puis le croiser main. Il n'y a pas de bataille. Parce que si bon Dieu a un plan pour vous, Satan a un bout. Bon Dieu a un plan de bonheur, Satan a un plan de malheur. Il faut batailler contre le plan diable pour le plan bon Dieu accompli sous vous. Est-ce que Dieu va dire Moïse d'abord de Canaan? Moïse d'entrée? Est-ce que Dieu va dire Samson, il t'a délivré le peuple en bas, mais un Philistin? Il est arrivé? A dit gagne des promesses mon Dieu fait, faut bataille jusqu'à ce qu'elle accomplisse. Et moi je dis bagage ce soir. Gagne bagage mon Dieu dit tout ce que vous faites puis vous parlez. Serrel ou enceinte, vous accoucher. Gagne bagage mon Dieu doit aider, c'est au café diable connait, de pour répéter le diable connait et de pour répéter, là il y a 90% de chance pour pas faire. Tout ça mon Dieu dit serviteur là deux, diable pas connait. Ou enceinte,
Même si on a parlé m'enceinte. Ok? Beaucoup accouché. Gen bagay se lèl nan men, lèl tangible, lèl palpable, et pour ou témoigner. Ok? Gen bagay li poko nan men, bon Dieu par la parole, prier, frapper jusqu'à ce qu'il accomplisse. Serrez ça pour témoigner les lames. Ou pas bah ouais? Gonsevi, Jéhoboam a fait des ordres en Israël. Et puis Dieu fait un prophète à côté de Jéhoboam. Et puis Dieu dit au prophète là, le wap tourne, l'orifé, il y a pas fou manger, pas manger. Un, le wap tourne, pas tourne dans mes moutes là. Vous êtes ça pour Dieu dit Michel? À deux, puis quoi manger, il y a pas fou manger, pas manger. Deux, pas tourne dans mes moutes là. Et puis Michel paraît. Et puis, monsieur Jéhoboam qui a fait service pour esprit. Monsieur dit, l'hôtel, l'hôtel, l'hôtel. Et si pas l'éternel, hôtel ça va faire des autres sous l'IA. Dieu dit, il est pour susciter un serviteur qui va aller Joas. C'est lui qui a boulé ossements nous. Et il a redressé l'hôtel de Dieu. Monsieur dit, comme signe, c'est bon Dieu que vous aimez. Parce que c'est bon Dieu la bonne signe. Je dis, comme signe, c'est bon Dieu que vous aimez. Que l'hôtel ça a éclaté qu'on y a. Et puis l'hôtel là qui a du feu, il a éclaté. Sans voler sous Jéhoboam comme moi. Monsieur, c'est quoi? Monsieur vexé, monsieur dit, oh, garde fréquence. Monsieur Longé, mais il dit, prends Michel pour moi. Prends pour faire la pour moi. Mais Jéhoboam était droite comme ça, il va retourner. Droite. Monsieur Longé, mais sous prophète, la mère était droite. Sèche. Monsieur va aller. Monsieur dit, oui. L'homme de Dieu, moi, on a tout servi de bon Dieu. Priez pour moi. Monsieur Rangé, quoi, là, il prie. Il n'y a pas de pas prier. Bon Dieu, pas de vous prier. Moi, après, comme ça, pour prendre les soins pour la vie. Michel prie, tu vois, il y a une bonne annonce, il y a une bonne et pas l'entendre, moi après, droit. Il va te voir prier ici, il va te voir un bon message. Michel prie, vrai, dans la compassion, Michel prie. Qu'on y est, dans prier, ou a dit, monsieur, t'as bien vu, les monsieur prie à deux, mon Dieu dit, il y a pas fou manger, pas manger, et pas tourner dans le même mout là. Parce que mon Dieu dit, Michel à deux, et puis, ou a offert Michel manger. Monsieur ouvert, bouche li. Michel dit, bon Dieu, dim, puis il a mangé. Vous entendez? Bon Dieu, dim, puis il a mangé. Bah, bon Dieu, c'est le bon, où est-ce manger? Ça va, merci. Mais qui bon Dieu, dim, de? Merci, je vais manger. Je vais tout bon Dieu, bah, bon Dieu, dim, bah, tout bon Dieu, dim. Ça va, merci beaucoup, moi, je vais manger. Et ça va. Et puis, je dis, non. Et puis, attendez bien, oui. Là, Michel dit, bon Dieu, dim, puis il a mangé. Tu es un petit jeune garçon, un petit adolescent qui est dans la foule là. Papa, ils sont faux prophètes, un vieux prophète. Monsieur attendait, vrai prophète l'a dit, bon Dieu dit il pas manger. Et puis monsieur, petit garçon courit, à côté de papa, il dit papa, mais bagaille qui passait, mes gosses, mais son faux, fait de l'éternel fait, il crase l'hôtel, nous t'entendons, il dit bon Dieu dit, puis qu'elle mange. Et puis prophète l'a retourné, monsieur marché en route. Pendant monsieur en route, vieux prophète l'a courit. Dès monsieur dit prophète de l'éternel, bon Dieu parle à la femme Kounia, il révèle Kounia comme prophète pareil, vous entendez? Petit garçon qui dit ça, oui. Je dis, bon Dieu, révèle me qu'on y a. Lui dit, c'est la caille, moi, seulement pour manger. Bon Dieu, on y est des morts. Monsieur, tant de vrai. Monsieur dit, oh, prophète pareil, moi, on a l'air. Monsieur Chita, je prends le mouton bagage à soi, à quelques jours. Pendant monsieur Chita, l'a mangé. Monsieur, von onction pour manger. Onction saute sous Michia, entrée sous, vieux prophète là. Qu'on a vieux prophète là, tourne bon prophète. Monsieur, levé campé, bravo. Je dis, si parle l'éternel, qui sa bon Dieu te dit où? Est-ce qu'elle pas doux pas manger? Tourne, monsieur, devient prophète. Monsieur, vend onction là pour manger. Pour la monsieur, tourne vieux prophète là, qu'on a ça tourne vert. Parce qu'elle vend ni pour manger. Monsieur, levé campé, bravo. Il dit, sa bon Dieu te dit où? Qu'on a mis à parler de nos bon Dieu, frère. Est-ce que bon Dieu pas doux ou pas manger? Qu'on a mis à commencer à trembler. Monsieur, vend onction. Qui nous vend onction pour plat manger? Qui vend onction pour 5 minutes? Qui vend onction pour un petit bois serré? On va bon Dieu baou éternel. On va venir là. Et puis, pendant que je suis tourné, je marche à tourner. Et puis, pour ça, monsieur fait, il y a un lion qui vole. Il coupe gauche, monsieur. Bon Dieu, un lion téléguidé. Lion coupe gauche. Ou content de lion tuer mon boulot à manger? Monsieur, t'es son bouic. Lion coupe coup, monsieur. Lion pas tuer bouic là. Mission lion, c'est monsieur seulement. Et puis, lion. Red bon cadavre là, la baye cadavre la sécurité jusqu'à ce que moun wèl et puis lion allé. Lion red bon cadavre la veille cadavre là, son lion téléguidé, yon lion divin. Il fin touye Michel jugement parce que bon Dieu dit Michel, pas manger le manger. Yon dit pas tourner dans même mout là, il tourner.
Li yon an koupe koul. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Gen moun même sou chita l'église. Tout moun a béni moins lui-même. Cela veut dire que la parole de Dieu n'a plus aucun effet sur eux. Gen moun même sou parole la prêcher, c'est canalier, même sou elle plonger en balba mouillé. Ouais cana, même sou cana koulomba en l'eau là, là elle sorti dehors à sous la ville là en balba mouillé. Lever lever elle fait poup 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 en bal sèche. C'est type l'eau qui est sous d'eau lié tombé. En bas c'est li pas mouillé. Il y a mon cana dans l'église. La parole de Dieu a trempé moun. La parole de Dieu a transformé moun. Li rete li même Chanel. Dehors ouais qui l'ont gueule. La parole pas transformée. Pourquoi sa Bible a dit moun sa yo? Bon bon verset sa Bible a dit. Bible a dit moun sa yo, ils ont un venin semblable au venin du serpent. Ils sont comme l'aspic sourd. Mais bien aimé, gon l'église, son l'église mission, il y a fond moisson, et puis surintendant vient dans moisson, hein. Et puis gon les bagages ça yo, c'est gros causé. Mais dès que monsieur surintendant vient dans moisson quand même, mais pasteur ça, il va dans ses collavel. Et puis pendant qu'il remet monsieur Mikoua, il va monsieur Mikoua, tcha, monsieur Mikoua, tcha, comment monsieur fait, monsieur prend Mikoua, pasteur bal Mikoua, tcha. Et puis avant Michel parler à Don, et puis il font signe, il vire des têtes. Sous cher. Avant le parler dans Nicoa, il vire des têtes, il font des bagages. Tout le monde a regardé. Pour qui ça? En dans l'église, il y a des diacres méchants. Il y a des diacres méchantes. Il y a fête qui a fait nous rassembler. Et puis. Gon monde qui relé pasteur, il dit pasteur, nous sommes bon monde. Bon non ti bagaille. Ouais fête qu'a fête demain, vin en dernier. Pas entrer dans cortège là, vin en dernier. Gon chaise qui t'est pour si moi ou même pas j'ai d'azoulé. Bon monde. Monde dit pasteur, gon chaise, l'a quitté pour pas entrer dans cortège là, vin en dernier, pas j'ai d'azoulé. Monsieur comme quoi? J'ai dit pasteur bon monde, vous servez avec nous. Et puis pasteur a une tactique ministérielle. Monsieur Fongeon, tout est entré. Et puis, il y a une chaise dans fête là. Il y a quitté mon pasteur. Et puis, pasteur a venu. Monsieur pas jamais chita sous chaise là. Jusqu'à ce que fête là fini. Pas de net dans le comité à chita sous les. En dans l'église, il y a un diacre méchant, diaconesse méchante, musicien méchant, membre méchant, pasteur. Il y a un pasteur méchant. Puis quand nous passons la Bible à parler de méchants, méchants c'est des rois. L'église écoutez, ce soir, merci beaucoup en pile. Nous t'arrêtons de dire ça, j'aimerais vous dire ce soir, deux bagailles. C'est avec un bal terminé. Nous t'arrêtons de dire, répentez-vous, car. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce soir, moi t'arrête mes douces. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Deuxième bagaille, t'arrête mes dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Qui de bagaille, t'arrête mes douces? Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Deuxième là, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps veut dire quoi? Qui ça racheter le temps veut dire? Racheter le temps lui signifie convertir le temps en valeur. Récupérer, ne pas gaspiller. Dès que joue mauvais, il y a pour saisir l'occasion, soit pour faire le cognier là, ou pas contre qui ça demain à porter. Ou pour répentir, cognier là. Racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais veut dire quoi? Qui ça les jours sont mauvais veut dire? Il veut dire comme ça. Il peut arriver n'importe quoi. N'importe bagaille qui arrive. Alléluia. N'importe bagaille qui arrive. Gloire à Jésus. Merci. N'importe bagaille qui arrive. Car les jours sont mauvais.
Dans 2 Timothée 3, verset 1, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura ça des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, aimant le plaisir plus que Dieu, etc. Il dit, mais qui ça cap gagner, jour mauvais, mais qui ça cap gagner. Mes frères et sœurs, pendant que les jours sont mauvais, rachetez le temps. L'église suivez-moi là, dans la dernière ligne droite ça. Pendant que les jours sont mauvais, rachetez le temps. Rachetez le temps dans le domaine de la prière. Tout chrétien là, soyez attendez ça. Rachetez le temps dans le domaine de la prière. Mais non, fuit de prière profonde. Ou par contre, ça demain capoté. Tout ton cas prier, prier. Mettez prière dans le dépôt. Dans Luc 18, verset 1, Jésus dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit, priez sans cesse. Car jour mauvais, rachetez le temps dans le domaine prière. Ce n'est pas prière ou autre, non. Je parle de prière profonde. Prière trempée en âme. Dès lors, frère, il dit, prière changez pas. L'on prend crampe ou tirez ça. Soldat, ou prend crampe ou tirez ça. Soldat, comme ça, frère, il dit, prière profonde. Mais bien, même prêt à nous bagaille. Il y a des choses pour décroquer la caille de Dieu dans la prière pour décroquer. Il y a des choses qui pas fait cadeau. C'est dans la prière. Dans Luc 18, verset 1 à 8, Jésus dit comme ça, il y a un juge dans la ville là qui ne va pas respecter la pièce. Il n'y a pas de monde qui va respecter. Et puis il y a une veuve qui dit, si le juge ne va pas faire justice, il y a un juge qui ne va pas faire justice. Et puis il y a une veuve qui dit, moi-même, je connais si Michel ne va pas faire justice. Et puis Jésus commence à expliquer. Depuis le juge la ville dans le bureau 8 heures, depuis il fait 6 heures, fia devant votre bureau. Juge, me justice. Bonne justice. J'ai pas occupé fia à l'entrée. Demain, fia avec une bonne persistance. Bonne justice. Fia tellement de persistance. Juge a dit, quête, monsieur. Je n'ai pas de respect pour pièce, mon c'est vrai. Mais dame, ça, pour persistance, je ma balle justice. Jésus dit, vous entendez ça? Juge a répondu. Il dit, combien a plus forte raison? Si petit, moi, yo crié jour et nuit dans pièce, il y a demandé mon bagage, ma fèle. Jésus pas nous secret, gen bagay, c'est persistance qui nous fait nous joindre dans même Dieu. Gen bagay, bagay un jour de prière, gen bagay c'est jeûne, c'est décréter jeûne veille de nuit. Rachetez le temps dans le domaine prière. Même si l'église chargée monde, manque homme de prière, manque femme de prière. Si quantité monde qui l'église ouvre, tu as prié, nous t'es capable en réponse. L'église chargée monde, mais manque monde qui a prié. Ou à saisir la gueule moun qui a deux mois qui a dormi sans prier, qui a levé sans prier. Deux mois. Rachetez le temps dans le domaine de la prière. Deux. Rachetez le temps dans le domaine de la méditation de la parole de Dieu. Kembe Bibou. Un chrétien qui a deux bons amis. Bible, livre Jean. Pour ne pas dire au troisième ami, la prière. Dans le domaine de la prière, rachetez le temps de la parole, de la méditation de la parole. Rachetez le temps. Psaume 119, verset 97. Il dit. Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Toi, rachetez le temps sur le plan ministériel. Qui donc? Qui appelle? Est-ce qu'on cherche qu'on qui donc? Soit entre l'église ou fin sauve ou par contre don, c'est laver mes si yate. Plutôt même je te converti à bon Dieu de bon. Bon, moi, bon ça. Depuis que vous entrez l'église et fin sauve, ne pas chercher qu'on est sale café. Appelle-le. Plutôt même je te converti à bon Dieu de tout bon. Mangez dire, il n'y a pas été loin. Parce que l'on vient dans le ciel là, vous avez combien de costumes vous avez. Il n'y a pas de couronne pour costume. Il n'y a pas de couronne parce que vous parlez français. Il y a de couronne. Qui travaille ou te fait à pour te sauver. Dans 1 Corinthiens 3, verset 12 à 15, il dit, il prend le passé, travail moun dans du feu. Moun qui travaille avec l'or, avec pierre précieuse, il a récompensé. Moun qui travaille avec paille, zèbre, bois, il a boulé. Moun savent sauver tant qu'à travers le feu. Moyenne 5, 2 0, 100 couronnes. Et bien, quand maintenant, oui, vous faites une conversion, fait 25 ans l'église, moyenne 5, 2 0. Pour que ça approfine sauver ou pas chercher qu'on soit faux.
Reste le temps sur le plan ministériel. Il y a plusieurs façons de faire don. Il y a son jour fait. C'est don, mon Dieu, mon trou. Si vous ne comprenez pas, cherchez un serviteur de Dieu. Là, vous avez un pour une façon de faire don. Il y a son jour fait. C'est don, mon Dieu, mon trou. Deux. Don, il y a un. La motive en don. L'on a nous sent tout bien. Ou il y a provision pour lui. Ou à l'aise. Parce que c'est lui qui motive en don. Deuxième, troisième façon de faire don. L'idée qui devant l'an. Il y a un orienteur. Il y a des gens qui prennent la parole une seule fois devant l'idée, ils ont un cadeau, ils ont valeur dans eux, et puis ils ont un cadeau. Il y a des gens qui ou parlent au micro de prier, ou des gens qui ont un don de miséricorde, qui sont intercesseurs, qui ont une nature intercesseur dans lui, qui sont un don de miséricorde là. Parce que les gens qui sont intercesseurs là, n'est pas si bagaille, les gens qui ont un parti. Les gens qui ont fait trois jours de jeûne là, ce n'est pas pour lui, c'est pour les gens qui sont malades. Intercesseur a oublié la tête là, et puis il y a des gens. Quatre, racheter le temps. Dans le domaine de la sanctification, jeune fille, sanctifiez-vous. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, qui ça? C'est votre agent? Votre agent? Non, c'est votre sanctification. Dieu jeta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. La personne d'abord, puis l'objet. Ce n'est pas offrande qui est intéressé, mon Dieu. C'est moun qui a pris l'offrande avant. Tout de valeur, mais c'est qui moun qui a baillé. Dieu porta un regard favorable. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bon Dieu, besoin l'argent, il besoin millions, mais c'est vie ou d'abord. Parce que Jésus monte la croix pour sauver Namou. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Alléluia. Rachetez le temps dans le domaine de la sanctification. Dans 1 Corinthiens 6, 18, il dit, fuyez l'impudicité, fuyez la fornication, fuyez la débauche. Rachetez le temps. Ou par contre, qui ça demain capoté? Dans 1 Corinthiens 7, 1 et 2, il dit, il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun est sa femme, que chaque femme est son mari. Il dit, il parle bon pour l'homme toucher fils sans pas marier. Mesdames, vous n'avez pas quitté les garçons, vous ne sont pas mariés. Lâchez le temps de la sanctification. Pendant nos fornications, si trompette la sonné, qui cao? Est-ce qu'on qui joue qui l'heure? Trompette la sonné. Ou pas de kenep, pas d'en bas écouter. Bagay, ça c'est strictement dans le mariage que le fait. Lâchez le temps dans le domaine sanctification. Moi-même, ma prêche jusqu'à ce que je coupé. Besoin des jeunes garçons, des jeunes filles dignes, des jeunes filles qui ont fait au lieu de faire plutôt mourir. Tout sauf les faire honorer, il faut souffrir. Tout sauf les faire honorer, il faut souffrir. Ou besoin marier, honorer, ou souffrir encore. Pas de résultat sans souffrance. Ou voulez mon Dieu entrer l'église dans le mariage ou bien bagarre, ou souffrir, ou conduite blanche. Les règles prennent fini, les règles finies. Quoi demander ou? Dit quoi? Vous avez dit? Je vous garantis. Pas quitter rien encore maintenant. Vous avez même la javel. Et c'est où vous menez? Si vous ne prenez pas soin, dites ça. Dites si vous ne prenez pas soin, vous avez gâté. Vous ne pouvez pas mener. Pas la velle, dites mesdames. Pas la velle. Dites si vous ne prenez pas la velle, vous avez gâté. Ou pas qu'à diriger. Rachetez le temps dans le domaine sanctification. 5. Rachetez le temps dans le domaine de la repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Par contre, qui est Jésus après retourné? Acte 3, 19. Lui dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour pécher effacé, qu'est-ce que ça vous fait? Faut repentir, faut convertir. Sans la repentance, la colère de Dieu demeure sur toi. Rachetez le temps dans le domaine de repentance. Suivez-moi là. Pourquoi vous devez racheter le temps, l'église? Pour qu'il soit besoin de racheter le temps? Parce que la patience de Dieu est limitée. Bon, bon, ça. Pour qu'il soit besoin de racheter le temps? Soit que vous faites affaire. Parce que patience, mon Dieu, limitée. Bon Dieu, gagnons temps, lui fixer pour nous chaque qui l'a repenti. Bon, bon, ça. Chaque monde qui chita là, bon Dieu, gagnons temps, le fixer pour vous pour repentir. Et sous qui t'es temps, ça passe, lui ka fatal pour vous. Je me reprends ça. Je t'arrête mon monde camper dans la salle là. Dis-moi qui l'a mouru. Comment l'a mouru. Qui Jean l'a mouru. Levez camper.
Brave la vie, je moi. Comme on en l'air. Qui le va mourir? Qui joue à mourir? À qui la joie mourir? Comment on va mourir? Ou pas qu'on est? Est-ce qu'on pas qu'on est? Bon Dieu, fixe son temps pour repentir. Patience, bon Dieu, limitée. Pour qu'il soit besoin de repentir. Racheter le temps. Mais bien aimé, parce que bon Dieu, patience est limitée. Chaque monde a un temps devant. Il a un temps pour vivre. Il y a un temps pour mourir très jeune. Vous comprenez ça? Jean-Baptiste mourut dans la trentaine. Ministère prend fin. Bon Dieu, relève. Ou qu'on commet temps à vivre sur la terre. Ou à vivre gars et pied. Mettre l'autre dans la vie. Ou racheter le temps. Gardez bien. Et nous, yon qui là, pas qu'on ait combien de temps, bon Dieu fixé pour nous repentir. Nous songeons au temps de Noé. Bon Dieu fixe son temps pour nous repentir. Noé prêcher, nous pas attendre jusqu'à ce que bon Dieu engloutisse. Il y a 7 églises d'Asie. Il y a 5 dans yon. Bon Dieu, demandez tous les 5 pour y repentir. Celles 2, bon Dieu pas exhorté. C'est excepté Philadelphie et Smyrne. Gat ça dit l'église Éphèse. Dans Apocalypse 2, verset 5, il dit souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier à sa place. À moins que tu te repentes. Gat ça dit. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et puis repentis. Rappelons depuis qu'il est à ça. Et puis repentis. Souviens-toi. Fais une rétrospection depuis qu'il est à ça. Madame, fais une rétrospection depuis qu'il n'a pas qu'à prier. Depuis qu'il est à ça. Et puis si elle l'a demandé, repentis. Il dit, si vous pas repenti, il n'y a pas temps pour repentir. Tous les siècles l'église, yon, bon Dieu, il y a un nombre de temps pour repentir. Et puis il dit, tamba nous, si nous pas repenti, mais ça m'a fait. C'est pas ça, mon Dieu, on vit faire. Mais c'est repentance enlevée. Les bon nombre de temps, jeune garçon dans soirée là, est-ce qu'on qui ça arrivé? Bon jeune gens l'église. Ou pas vouloir que j'y finis. Est-ce qu'on combien de temps mon Dieu fixé pour repentir? Ce soir, si elle l'a voyé dire, repentez-vous. Si elle l'a voyé dire, rachetez le temps. Il dit l'église Éphèse, si nous pas repentir dans le temps fixé, m'a vinn dans mi temps nous m'a retiré chandelier. C'est-à-dire même si l'église a chanté présence mon Dieu papa, lieu a sanctionné. Que l'église même sous gêné ou elle sous chair ou pas rien lié à sanctionner chandelier a sorti l'église a en fait noir c'est ce qui va à l'œuvre même si on est toute libre chant sanction dit m'a retiré chandelier a dans tombe nous pour nous repentir. Alléluia. Il dit l'église Pergame dans Apocalypse 2 verset 14 et 16 il dit mais j'ai quelque chose contre toi c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, qu'ils livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai. Sinon, c'est pas ça me le fait, non? Sous pas répandu. Si repenti, sous repenti, m'a fait ça. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Qui ça dit là? L'église a tombé dans la saleté. Yo fait moun yo manger, yo fait bouloi. Viens sacrifier aux idoles. Yo dit ça va rien. Fait moun yo manger vaudou. Fait moun yo manger communion. Et puis fait mesdames yo tomber, jeune yo. Yo dit même si jeune yo dans fornication, ça va rien. Lui dit pour ça nous faire. M'ba nous temps pour nous repentir. Si nous ne parlons pas, je vais combattre nous avec épée. Je vais nous faire des avec épée de ma bouche. Quand pile dans nous mal comprendre la présence de mon Dieu. La présence de mon Dieu n'est pas seulement venue pour bénir. La présence de mon Dieu est venue pour châtier, pour maudit. Bon, je vais vous dire ça. Quand nous qui mal comprenons la présence de mon Dieu. La présence de mon Dieu qui est venue à l'église, elle n'est pas venue pour bénir. Mais elle est venue pour caler les gens, pour châtier les gens. La présence de mon Dieu n'est pas seulement venue pour la gloire, pour la puissance, pour faire que nous parlions en langue. Présence bon Dieu fini tout pour le caler, pour le châtier, parce que gomon ni ba on temps pour quoi ça dit sinon je viendrai à toi bientôt. Réponds-toi pour me pas faire ça, pour me pas combattre tout avec épée qui c'est symbole jugement. Alléluia. On pas ta souhaiter que moun là à soya moun qui sont internet là bon Dieu a dit repenti. Par contre qui soit fait à soya ciel l'a dit repenti. Troisième l'église t'y attire. Apocalypse 2, verset 20 à 23. Il dit, mais ce que j'ai contre toi,
c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se disent prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils se mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez ça que là? Une femme qui dit c'est prophétesse, et puis la couche à monsieur marié l'église. La couche à monsieur marié, la prophétiser, et puis le guetouan avec l'église. Et puis il dit, si mesdames, vous faites un coup. Il enseigne, si mesdames, vous pouvez avec jeune garçon. Il dit, ça va rien. Vous voyez ça, mon Dieu? Il dit, tu laisses. Pasteur Job. Jésus dit l'église a tu laisses. Vous avez dit, gen bagay. C'est pas bon Dieu qui a vint faire. Li place là comme leader. Gen dérive qui va gen doit faire dans le ministère. Il dit, tu laisses. Nous quittons fia. Fais des autres ça. Pas gen nous yon qui quoi appelle. Pas gen nous yon qui dit. Pas fait ça. Tu laisses. Nous laisser. Madame l'en fait des autres ça. En mon nom l'église a fait un bagay qui pas correct. Avec Bible là. Bon Dieu place nous comme leader. Pour nous parler avec nous non. Li pas attendre. C'est pour sanctionner. L'église pas marcher sans sanction. Il dit, tu laisses la femme de Jézabel. Regardez bien, il dit, je lui ai donné du temps. Regardez bien, regarde ça, il dit. Il dit, parce que, ouais, bon Dieu, c'est pas châtial, mais non. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Quel monde qui walk long. Bon Dieu dit, m'a le temps pour le repentir, pas d'accord. Il dit, mais ça m'a le faire. Voici, je vais le jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Il dit, m'a le laguer son cabane à tout garçon qui est couché à l'église là. M'a le baron maladie. Même si mon onction prier pour yon, le pape guéri. Parce que c'est même qui sou yon. C'est péché ou femme te baye autant pour yon repenti. Yon pavle. L'inan adulte l'église à couche ak nek. M'a le pavle. M'a le temps le pavle repenti. M'a la gueule sou kabon. Ke moun nou ek malade l'église. Li pape guéri. C'est la main de Dieu qui sou li. Li te de trois messages. Li pavle repenti. M'a la gueule sou kabon. Et bien il dit. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir ses enfants. Il dit, m'a tué petit lio. Petit li fait, m'a tué. Je ferai mourir ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Il dit l'église a commis à travers madame ça. C'est moi qui sont des reins. C'est moi qui sont des cœurs. L'EOM la gueule sur cabane à tout le monde qui couche avec lui. Et puis je commence à tuer petit lui. Et puis l'église a connu. Il a pris un main. Il a connu c'est moi qui m'a. Parce que je n'ai pas le temps pour le répondre. En vérité, mes frères et sœurs dans le Seigneur, côté ma prêché à la. Ou pas qu'à ouais, ça me dit avec Dieu, mais c'est la vérité. Côté m'a parlé à la, depuis que la quarantaine a commencé, chaque service a commencé 4 heures. Gon coro d'ange qui vient là, pendant m'a parlé à yon là, kaé nan men, y a pris note. Vidéo a fait là, c'est téténa devant zan sa yon. Gézange la caméra, chaque service a fini. Tout temps bénédiction pour qu'on fête. Pas gon service évangélique qui fait sous terre. Pas gézange mon Dieu qui vient prendre pour pouvoir aller dans l'éternité. Gé nous chita là, c'est service ça pour juger nous. Prédicate à vin la parler soin, vin toute journée, traversez nous pas attendez. Yo là, kaye nan men. Après prenante, kaye nan men. Pour qui pour? Gen envoyé de Dieu, là, kaye prenante. Alléluia, y'a pour un rat qui joue. Yo kon tout moun ki la. Ou tant de messages ou pas repenti. Ces messages ça sou pas repenti pour juger. Un serviteur de Dieu qui a fait un enseignement dans l'église. Et puis pendant on serviteur Chita devant moi. Et puis monsieur Chita. Et puis Dieu fait monsieur nos visions. Monsieur ouais des anges. Yon bon speaker. Yon là. Et puis kaye nan men. Et puis après note. Y'a pris note. Y'a pris note. Y'a pris note. Depuis service à fin la bénédiction, monsieur ouais aller. Tcha. Y'a pris note. Y'a pris note. Kaye nan men. Et puis on peut servir ça dans les. Bon, nous-mêmes, nous avons des jobs. Nous avons des DVD. Nous avons des CD. Combien de gigas? Et bon Dieu. Et bon Dieu, mettre connaissance. Je jugement, à des vidéos, à des écrits, à des audio. Quatrième l'église. Apocalypse 3, verset 1 à 3. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant,
mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. L'église s'adresse, dit l'église s'adresse. Répondis. Non, où m'a venu? Ou par contre, qui m'a venu sur? Mettre l'ordre dans la vie. Dernière l'église là, c'est la Odyssée. Apocalypse 3, verset 19 et 20. Il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aide donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. En vérité, à souhait, il y a quelqu'un qui a frappé pour te dire qu'il repentit. Il y a des gens qui devant récepteur ou la caillou, mais ça, ça frappe pour le cœur. Il y a des gens qui sous la multimédia, sur YouTube là, sur Facebook là, Dieu a dit ouvert pour le cœur. M'a frappé. Si on m'a ouvert, m'a rentré, m'a soupé la caillou. Et en vérité, tout côté mon Dieu vini, il vient à tout s'allier, il vient à toute bénédiction. Amen. A dit, l'autre qui était mon Dieu entré dans la vie ou son monde, béni. Péché pas pour tes bonheurs, c'est la présence de Dieu pour le bonheur. Péché pour le malheur, la présence de Dieu pour le bonheur. Ce soir, jeune fille, madame, monsieur, captain, ouvrez cœur, pas en dessous cœur, sous-tend des voix, mon Dieu. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle là, c'est pour puissance parole ça. Même si cœur dur, c'est pour le pénétrer cœur, pour le conduire à la repentance. L'église. Reste le temps. Parce que les gens, gon les, ou quand envie de prier, ou pas capable. Reste le temps, gen l'envie de prier, ou pas capable. C'est soit maintenant des pots, ou pas servi. Gen quand on l'hôpital, ou pas qu'à jeûner. C'est soit maintenant des pots, ou tout nos bêtes qui ruminent. Tout ton gen santé, reste le temps. Priez, jeune garçon. Mais prier dans des pots, gen fier bagay la vie à porter, ou pas qu'à prier. Qui est fier moment la vie à porter, ces moments prière ou après appeler ou on pas de travail pour rien. Reste le temps, qui a envie méditer ou pas capable. La vie a des vieux jours la dipoter. Ou quand envie de lire, je ne pas permettre tout. Je n'ai pas bon, ou pas de faire, tout ton carroya lire, méditer. Même si vous ne comprenez pas, lire. Maintenant dépôt, alléluia, tout ton cali. Amen. Reste le temps. Quand on a envie de faire ministère trop tard. Oh, quand on a envie de faire ministère trop tard pour racheter le temps. Pardon, il y a un appel, mon Dieu, on a prêché, prêché. Prêché pour mon Dieu, pas énergie pour mon Dieu. Ou quand on a une mission, aller. Ou quand on a chanté dans le choral là, chanter. Ou c'est préfère discipline, mettre discipline. Ou c'est sécurité, faire pour la gloire de Dieu. C'est mon Dieu qui bon force. Ou quand on a envie de travailler en l'heure, ou pas qu'à travailler. Santé à papa mettre tout. Pied à papa mettre tout. La vie a des vieux jours. Ou par contre, qui sale capoter. Racheter le temps dans sa mon Dieu. Bon, fait à pas faire pour l'argent, pas faire parce qu'il offense, faire parce que Jésus sauvé. Dès qu'il sauvé, mon capacité, ma travail pour la gloire du Seigneur. Oh Seigneur, ma gloire, que toute énergie, que toute force, moi, que toute santé me finit dans mes mains. C'est pas faire ma faire ou travail pour ça, ou monter la croix pour ça, ou amener en bas la tête pour ça, ou ressusciter pour ça. Si tu n'as pas qu'à manger, c'est pas faire ma faire, Seigneur. C'est pour toute force, moi. C'est pour me travailler pour. Racheter le temps. Amen. Jeune fille, sanctifiez-vous, mon frère. Oh, jeune fille qui a sanctifié, continuez à sanctifier. Sanctifiez-vous, parce que jour qui a fini là, et pas bon même. Mettez consécration dans les pots. Sanctifiez-vous, raillez péché. Marie taillou, étant pour chaque chose. Répondez-vous, mon frère, parce que jour qui a fini là, mauvais. Ou pas comme qui s'est capacé. Et le Seigneur conclut pour dire tout ce que l'église a eu. Ça a des oreilles pour tendre. Tendre, ça l'église là. Abdino, tout même l'église plein évangile, ministère Rafa, qui gagne oreilles pour tendre à soya, ça l'esprit de Dieu voyez-vous là, tendez, ça gagne oreilles pour tendre,
Tendez, moun ki sou YouTube la gen oreille pour tendre. Tendez, moun ki sou 93.1 gen oreille pour tendre. Tendez, moun ki sou Facebook la gen oreille pour tendre. Tendez, ou même ki chita en face moun gen oreille pour tendre. Tendez, musicien parce qu'on ka gen oreille ou pas tendre. Sa gen oreille gen moun depuis l'entrée l'église, li ki tes oreilles dehors ou bien chita sou li. M'pa ta souhaiton comme ça. Tendez message parole mon Dieu, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Musicien qui les oreilles pour tendre, tendez. Diac qui les oreilles pour tendre, tendez. Diaconesse qui les oreilles pour tendre, tendez. Madame de l'église qui les oreilles pour tendre, tendez. Pasteur qui les oreilles pour tendre, tendez. Ménage de service qui les oreilles pour tendre, tendez. Ingénieur de son qui les oreilles pour tendre, tendez. Caméraman qui les oreilles pour tendre, tendez. Madame Marie qui les oreilles pour tendre, tendez, monsieur qui aurait pour tendez, tendez, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, répentez-vous, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu dans son amour infini tourne sa face envers vous. C'est pour le bénir. Soyez repentants. Menez en vie repentance. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment, abondamment ce soir. Amen.